Eh bien bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer mes colonies de Camponotus. Donc j'ai deux espèces différentes. Je dis colonies mais en fait je devrais peut-être dire fondation. Donc alors celle du centre c'est une Camponotus vagus et les deux extérieures c'est la première et la troisième. Là c'est des Camponotus barbaricus que je trouve très belles. À chaque coup je dis que c'est mes préférées. Donc elles sont toutes en tube à aisselle, hein, les trois en tube. Les barbaricus que vous pouvez voir en premier plan, là en fait elles étaient dans le nid building, mais vu qu'elles restent que dans leur tube, donc là j'ai déconnecté leur tube pour pouvoir les nourrir plus facilement en fait. Parce qu'elles n'allaient pas forcément dans leur aire de chasse. Donc là, c'est la Camponotus vagus. Voilà, donc on peut voir qu'il y a deux cocons. Il n'y a pas d'œufs, rien, mais bon. En ce moment, je m'inquiète pas trop pour ça. Et il y a deux cocons qui vont pas tarder, j'ai l'impression, en dessous avec l'or. Là, je leur ai remis un peu de chauffage. J'avais coupé le chauffage, mais j'ai remis le chauffage, étant donné que tout se développe, les œufs bougent. Là, je pense que ça devrait pas tarder avec l'or, ça. Donc, à suivre. J'essaierai de l'avoir le jour même, ce serait bien. Ça, c'est mes Camponotus barbaricus, alors celles que je trouve les plus belles. Hein. Que ce soit la reine ou les ouvrières, elles sont vraiment très jolies. Alors, là, on dirait qu'elles sont active speed, mais j'ai accéléré la vidéo par deux pour que ça dure moins longtemps. Et, en fait, ça les fait aller plus vite, elles gigotent plus vite, quoi. Voilà, donc on peut voir un petit couvain. Ça, c'est la deuxième colonie de Camponotus barbaricus. Il n'y a que trois ouvrières. Dans celle d'avant, il y en avait sept. Là, trois ouvrières, donc voilà. Ce sera tout. Bon, bah, c'est pas une fiche d'élevage, hein. Ça, on peut en trouver un peu partout sur Internet. Des beaucoup mieux que moi. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. Hein. C'était encore du rapide, histoire de vous montrer ça. Bon là, pas d'évolution, tout le monde en tube à essai. Allez, ciao, à plus!